direct, le premier live couture démarre ce soir au programme La poche élastiquée de doublure. C'est le premier live d'une longue série puisqu'on commence aujourd'hui et on termine samedi prochain. Pour vous faire un petit rappel, c'est la trousse ébène version pack additionnel. On va couper toutes les options du pack additionnel. J'ai vraiment hâte de faire tout ça avec vous. Je vous dis tout de suite les pièces à préparer. C'est un petit récap que je vais vous faire chaque jour pour vous rappeler le matériel à préparer, les pièces dont vous aurez besoin pour la session du jour. On se retrouve ce soir 18h, Facebook, Instagram, comme vous voulez. Et comme d'habitude, rassurez-vous, il y aura un replay de chaque session dans les 2 heures sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à tout à l'heure et bon préparatif. Ce soir, vous allez avoir besoin de 4 pièces. 3 pièces font partie du patron de base. Donc, vous avez la pièce D1 qui doit être en tissu à motif, qui doit être entoilé. La pièce D3 également en tissu à motif entoilé. La pièce D2 qui doit être en tissu de doublure. Donc, moi, je choisis un tissu un peu moins, un motif un peu moins présent, qui doit aussi être entoilé. Donc, ça, ce sont les pièces du patron de base, d'accord? Et on va travailler sur une pièce du pack additionnel. On va travailler sur la pièce PE qui va nous permettre de faire la poche élastiquée. Donc cette pièce, vous en avez besoin 2 fois en tissu à motif et c'est très important, elle doit être non entoilée. Donc ça, c'est les pièces dont on va avoir besoin ce soir. Vous allez avoir également besoin de votre élastique pour la poche élastiquée et pensez à préparer du fil assorti au tissu. Je vous dis ça, bien sûr, je suis la seule qui n'a pas préparé ces fils, donc je n'ai plus de fil de cette couleur, donc si j'ai le temps, j'y remercerai, sinon bah, je partirai sur du bleu ou sur du vert. Voilà, donc ça c'est les seules pièces dont vous avez besoin ce soir. On va travailler, on va monter toute la poche élastique de A à Z ensemble et ensuite vous retrouverez le replay bien entendu. Et toutes les vidéos qu'on va tourner ensemble pendant le live, à la fin du live, je les ajouterai sur le pack additionnel et vous aurez à chaque fois l'explication vidéo de la pièce additionnelle. C'est pour ça que je fais une pièce du pack par jour. Donc voilà, donc ça c'est le programme de ce soir. Je vous souhaite de bons préparatifs.